pour mixer, Bayo. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, un petit tutoriel consacré à une coiffure que vous pouvez porter pour des occasions, pour sortir ou pas. Vous faites ce que vous voulez, une petite coiffure, voilà. C'est un style un petit peu nœud tressé. Je sais pas comment l'appeler. C'est un genre de nœud, mais avec des tresses en fait. Donc voilà, si vous voulez savoir comment réaliser cette coiffure, restez en ligne, ça arrive tout de suite. Alors pour commencer, ce dont vous aurez besoin, c'est juste un élastique, des petits élastiques pour sécuriser et des épingles. On attache les cheveux en queue de cheval simple. À vous de choisir si vous la préférez de côté ou de face. C'est vous qui choisissez. Ensuite, on va prendre une petite partie par l'avant. Sur l'avant, on prend une petite mèche qu'on va tresser. Et on va sécuriser avec un élastique, un petit élastique classique. On sépare une petite mèche à l'arrière des cheveux qu'on va faire passer sous les autres locks pour ne pas la mélanger avec le reste des cheveux. On sépare la queue de cheval en deux et on va faire deux grosses tresses avec les deux parties qui ont été préparées. Pareil, on sécurise le bout pour pas qu'elle se défasse. Ensuite, c'est le moment de la mise en place. On va créer la forme qu'on veut. Donc, vous pouvez même inventer d'autres formes si vous le désirez. Hein. C'est une idée que je donne comme ça, mais après, libre à votre imagination. Là, moi, je vais faire deux petites boucles pour créer comme un effet de nœud, un petit peu comme Minnie. Vous savez Minnie, le héros de Disney? Après, on va récupérer la tresse qu'on a faite au début. On va la faire passer au niveau du centre, entre les deux boucles qu'on va coincer au niveau de l'élastique. La plupart des clochards qui mangent y'en sorti. Quand vous y'en êtes comme une belle fille, comme pour vous, ni plus fallait y aller. On va garder mon net à faire les lannes galères. Et ensuite, on va cacher l'élastique avec la tresse. Et la petite mèche qu'on a laissée libre à l'arrière de la queue de cheval. Voilà, là on fait les derniers ajustements. On voit si c'est correct. Si besoin, vous y mettez quelques petites épingles pour pouvoir sécuriser la coiffure, pour ne pas qu'elle bouge ou pour simplement donner une forme un peu différente. Ensuite, comme je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos, moi j'aime bien mettre un peu d'huile sur le contour, étant donné que quand on se lave les cheveux, etc., ça assèche toute cette partie-là, donc j'en mets souvent. Et là, bah du coup, j'ai fini ma coiffure et j'en applique un petit peu. Un petit coup de brosse, histoire de lisser un peu les petites boucles tout autour.
J'ai finalisé ma coupe. Et voilà. Nous j'en ai géré en dalle, faut pas qu'elle nous revire là. Oh non, non, profitez pas de nous là. On s'en prend toute la guerre inutile. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos, comme d'habitude. S'il vous plaît, si vous avez des idées concernant des vidéos, un sujet que je pourrais traiter, etc., n'hésitez pas à commenter juste en bas. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Sweet mama Zita, you deserve me corazón. So nice to meet you, could you tell me where you're from? Never seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut.